Le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a décidé, ce jeudi 9 juillet, d'interdire la circulation à destination et en provenance des 29 wilayas du pays pendant une semaine. Cette décision a été prise lors d'une séance de travail consacrée à l'étude de l'évolution de la situation de la pandémie du coronavirus, Covid-19, en Algérie. En effet, cette interdiction de circulation qui entrera en vigueur à partir de demain, vendredi 10 juillet, concerne les wilayas suivantes, Boumerdès, Oumel Bouaghi, Batnak, Rolizane, Biskra, Mascara, Msila, Chlay, Sidi Bel Abbès, Médéa, Blida, Bordjibou Harorij, Tipaza, Ouargla, Béchar, Alger, Constantine, Elwed, Bouira, Soukaras, Tissé-en-Sylt, Djelfa, Sétif, Annaba, Bejeia, Adrar, Lagua, Canchela et Oran. Monsieur Tebboune a également décidé d'interdire la circulation du transport urbain et privé dans les mêmes wilayas, durant les week-ends. D'autres décisions ont été prises par le chef de l'État lors de la réunion, à savoir, garantir une assurance spéciale à tous les médecins et professionnels de la santé qui sont en première ligne face au coronavirus. Impliquer les comités de quartier et la société civile avec l'Iwali pour aider à encadrer les citoyens et la population locale. Accorder tous les pouvoirs au Wali dans la gestion au niveau local et exploiter toutes les capacités disponibles mises à leur disposition. Autoriser tous les laboratoires publics et privés à effectuer les tests de dépistage du coronavirus. Stérilisation intensive des rues et des marchés plusieurs fois par jour. Mobiliser les médecins des hôpitaux en arrêt du travail, en échange d'une contrepartie matérielle, si nécessaire.